L'atelier de formation s'adresse aux promotrices des petites et moyennes entreprises comme Dr Baoumar qui participe au programme C'est quoi depuis son lancement. Je suis productrice d'alicaments, c'est-à-dire les aliments médicaments, dont le moringa et le noni. Mais surtout, je fais des jus de fruits qui sont dans les grandes surfaces. Et je suis actuellement en formation pour améliorer la qualité des produits que je fais consommer à la population. Pour cette nouvelle phase à mi-parcours, le projet s'intéresse cette fois à l'importance d'adopter des bonnes pratiques en matière d'hygiène et de fabrication des produits alimentaires. Aujourd'hui, il est question pour nous de commencer à apporter auprès des femmes des outils qui doivent leur permettre d'améliorer leur savoir-faire en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, mais également de respecter la réglementation applicable sur les denrées alimentaires relative aux questions de qualité et d'hygiène des aliments. L'hygiène des aliments est actuellement au cœur des préoccupations des entreprises du secteur agroalimentaire, d'où l'intérêt du projet C'est quoi ? C'est un projet, donc bien qu'il soit mis en œuvre par l'ONUDI, il est surtout financé par le gouvernement japonais. Et nous avons déjà procédé à une première phase de sensibilisation et de formation au mois de juin d'une vingtaine d'associations de femmes. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est la continuité. Rappelons que le projet s'inscrit dans cette volonté de développer les secteurs agro-industriels et alimentaires gabonais pour générer de l'emploi et contribuer à une prospérité partagée.